PEGI 16. Et salut à toutes et à tous, Slime Company. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Soyez les bienvenus sur Sniper Elite 5 découverte, let's play découverte pour ma part de ce jeu qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Un jeu, si je dis pas de bêtises, que vous m'aviez d'ailleurs conseillé. En tout cas, certains abonnés me l'avaient conseillé, si je dis pas de bêtises. C'était encore à l'époque où je faisais des lives. Et j'avoue que je m'y suis intéressé. Puisque on va jouer un agent sniper, si j'ai bien compris. En tout cas, vu le titre, n'est-ce pas? En tout cas, je ne connais pas les autres Sniper Elite prédécesseurs de celui-ci. Et on est dans l'ambiance, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ce sera vite vu, puisqu'on va découvrir la campagne directement, les amis. Mode campagne, nouvelle campagne. Alors, difficulté globale, tireur d'élite, j'imagine que c'est le rang intermédiaire, le rang milieu, mode de difficulté moyen. Voilà, pour ceux qui découvrent les jeux de tireur d'élite et veulent une expérience équilibrée. Alors, j'aurais mis maître sniper. Le problème, c'est que je ne connais pas encore le gameplay du jeu. Autant je suis peut-être pas si mauvais que ça au sniper sur différents jeux, mais je ne sais pas, sur Sniper Elite, ça se trouve, ça n'a rien à voir, même en termes de réalisme ou quoi. Donc on va rester sur Tireur d'Elite. Je vais essayer de vous régaler quand même. Allez, démarrer la partie. Je découvre en direct, nous sommes le 28 mai 1944, tout à fait, le mur de l'Atlantique. Fairburn, Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders? We wait for air cover from our boys in the RAF. Once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here, then proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. I don't want to come back to the beach and find the place crawling with Germans. If they spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can do quiet. You'd better. Alors ça, c'est bien badass. On va devoir être très discret, tels des bons snipers, n'est-ce pas? Des bons snipers d'élite, dirais-je. That's our cue. Okay, Fairburn. There are the searchlights. Show me what you can do. Allez, c'est à moi de jouer. Ok. Donc c'est un jeu un peu troisième personne. Neutraliser les projecteurs. Ok. Appuyez sur B pour utiliser vos jumelles. Donc là, c'est la phase tutoriel, bien sûr. Gardez le réticule sur les ennemis pour les marquer. Ok, ça permet de voir bien plus clair. Nous avons donc les projecteurs que je viens de marquer. QE. Je peux changer la portée. Pas compris à quoi ça sert. Le zoom, du coup, je suis au maximum. Eh ben écoutez. Eh ben c'est super. Il y a la retombée des balles qui est absolument dégueulasse. Ah là, donc j'ai bien fait. Voilà, et ben là c'est du vrai sniper, les gars. C'est du vrai sniper. Il faut peut-être que j'augmente la portée. Attendez, pourquoi j'arrive pas à tirer? Plus bas. Non mais là c'est pas possible. Alors attendez, là il y a un truc que je ne comprends pas. Les bases du tireur embusqué. Appuyez sur espace pour commencer à vider vos poumons. Ah, bon, déjà je me trompais de touche pour pouvoir me calmer. Ah, bah oui, bah voilà. Bon, bah même ça, ça marche pas. Donc je dois tirer plus haut à cause de la retombée des balles. Mais c'est impressionnant. Neutraliser le projecteur. Attendez, je vais essayer sur celui-là. Ça m'affole. Je tire exprès un peu plus au-dessus. Faut que je tire comme ça là. Ah, je viens de voir la retombée de balle.
Non. Me dis pas que... Mais attendez, vous rigolez? Alors là, on va avoir un petit problème, les amis. Je sais pas si... Bon, je pense qu'on va très vite comprendre le problème grâce au deuxième projecteur, mais... Regardez, il m'incite depuis tout à l'heure à viser là comme ça. Mais on est censé tirer au milieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou alors justement plus haut mais pas plus bas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est un rapport avec la portée? Attendez. C'est un rapport avec la portée. Ça y est, je viens de comprendre. Ouais, parce que là ça me paraissait vraiment pas cohérent. En gros, plus tu vas augmenter la portée et plus tu vas devoir viser bas, ce qui est complètement con d'ailleurs. Donc là, regardez, je mets la portée à 100 et là c'est pile au milieu. Voilà, là ça me parle. Ok. Eh bah désolé, c'était malaisant ce début Ce début était malaisant. Personne ne m'a cramé, tant mieux. On se demande bien comment. Avec toutes les balles que j'ai mis à côté. Ma foi, il m'aura fallu 3 chargeurs. Alors on peut ouvrir la carte. Ouh, mais c'est presque un open world le bazar. Très bien, très bien, très bien. On se retrouve de l'autre côté. Pas de problème, on débarque. C'est le débarquement de Wish. Très sympa la musique. Ok. Alors on va sortir les jumelles. Bien évidemment j'ai oublié la touche, c'est bon. Parce que là je crois qu'il y a un gars juste ici, non? Alors j'avais cru voir un gars. Bon bah c'est bon, on peut y aller alors. Allez, on y va. Oh sympa la petite glissade. Graphiquement très joli. Alors très bien. Et là comme ça on peut se coucher, très bien. Ok. Ok, on peut escalader par ici. Et on va escalader la falaise. Ok, pas de problème à ce niveau là. Secteur dégagé. Nous avons ici des munitions. Ok, je suis full. Pas mal. Sécuriser les environs. Je sors mes jumelles quand même. Hein. Personne. Allez, glissade. Oh. J'entends des frérots. Là. Ils parlent tout seuls. Ah, ça c'est les Allemands. Hein. Attends, ça coupe pire quand même. Ils parlent tout seuls pour de vrai? Il a l'air de parler tout seul. Alors, est-ce que je l'élimine au sniper ou pas? Appuie sur E ou C, neutralisation pacifique, pour réaliser une neutralisation. Ah. Ok, non, c'était pas ça que je voulais faire. Oh. Combat. Bon, ben voilà. Élimination. Voilà. Soit je peux le tuer ou non. Ah, ça, c'est sympa, ça. Venez, j'essaie de pas le tuer. On va juste le neutraliser parce que j'aime bien. Hop. Tranquille ou bilou. Neutralisation pacifique. C'est très pacifique. Je peux même le porter. Incroyable. Je peux même le lancer. Oh le respect. Fouiller. Superbe. Ah ouais, superbe. Et je peux même récupérer son arme. Bon, j'ai déjà une... Ah mais en fait, on n'a pas que des snipers. On peut jouer plusieurs armes. Mais quoi? Ok, je suis en train de découvrir les gars, hein. Excusez-moi, moi je pensais que c'était juste un jeu de sniper à la base. Hein. Moi je pensais que c'était juste un jeu de sniper, j'ai failli me faire cramer. J'ai failli me faire cramer visiblement. Voilà monsieur, bonjour. Il a l'air tout seul. Bah du coup j'aimerais bien, bah, c'est un jeu de sniper, j'aimerais bien le toucher au snipe là, mais j'ai pas de silencieux sur le... Sur mon arme. Lorsque vous êtes accroupi près d'un obstacle, il vous sert d'abri. Oui, ça me paraît assez
assez cohérent. Ouais, j'aimerais bien le shooter au snipe. Je vais me faire cramer, non? Et au pire. Au pire, non, on va pas faire le con quand même. Là, je pense que je peux escalader. Si vous voulez mon avis. Les ennemis vous entendent. Ok, faut faire gaffe. Ok. Regardez bien. Regardez bien. Ça va être très joli. Bon, par contre, je vais pas être pacifique, hein. Ça va la comédie, 2 minutes. Hop. Ah. Ah, je pensais pas que ce serait si violent quand même. Ok. Très bien. Excusez-moi, jeune homme. Sauf votre respect. Très bien. Eh bien, on va continuer. Ça m'a l'air d'être plutôt tranquille. Non, j'entends un officier. Yeah. Eh, c'est vraiment bien fait, les voix, par contre, hein. Vraiment bien fait. C'est le vrai allemand, pour le coup, hein. Alors, comment je vais pouvoir faire? Oh. Ok. Il sort son manifeste. Oh, j'ai envie de lui mettre une balle. Hop. Allez, je suis sympa. Paf. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il peut se réveiller, en fait. Ça veut dire qu'il peut se réveiller à tout moment. C'est pas impossible. Voilà. Je peux encore le fouiller, quoi? Je pense que j'ai tout pris. Ouais, mais pourquoi il me propose de fouiller encore? Ok, bon, ma foi. Allez, on avance, messieurs, dames. On va ouvrir. On a récupéré ses clés, on peut ouvrir la porte. Examiner les documents. Contrat terminé, documents classifiés. Résistant capturé. Superbe. Superbe. Got to secure my contact. Can't just leave them to die if they've been captured. On va avoir de la compagnie par là-haut. Ah mais même en dessous de moi je crois. Ah ouais, même en dessous de moi. Oh merde. Est-ce que je peux le... Est-ce que je me suis mis dans le mal? Attendez, je peux lui faire une prise? Bon, il est tout seul. Je peux lui faire une prise? Oh oui. Hop. Ça dégage la racaille. Oh. Alors, pas très discret quand même. Eh, j'ai envie de les shooter ceux en bas. Oh. On a eu chaud au kiki. Ok, il y en a un là. Ils sont 3 en plus. Oh là là. Ok. Ah, ils ont l'air vénères quand même. Bon, on va se les faire au sniper, je pense, non? Ou pas? Parce qu'il faut pas se faire cramer en même temps. Mais en même temps, c'est tentant. Bon, ceux qui sont en bas, on s'en bat les steaks. Je pense qu'on va juste avancer tranquillement. Et oh, et puis merde, hein, putain, c'est de la merde. Regardez bien. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est chirurgical, hein. Ah ouais. Personne n'a rien vu. Impressionnant. Ok. J'aime bien ce jeu. Et c'est le même système que Battlefield Hardline. Les ennemis vont essayer de me retrouver à l'endroit où j'ai tiré, où ils ont entendu en tout cas. Impressionnant. Bon bah écoutez, on avance. On va peut-être faire une petite recharge. Fouiller l'usine. Des résistants capturés sont en train d'être interrogés. Je suis là les copains. Charlie? Thanks. I just needed a distraction. The weather in Ostend is better this time of year. But France has better food. You're my contact. You're the desert ghost. I should have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that codename, not me. But they found us anyway, in spite of all the codes. Betrayed?
Maybe. I think so. I can't be sure. They tried to make us talk, and when we wouldn't, my god, they killed the whole town, everyone. All thanks to a bastard named Muller. They split us up. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place. We have to... I'll find them. You're in no shape to fight. Where can we meet? All right, you win. The safe house is blown. There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. One more thing. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The key for it was sewn into the hem of his trousers. They may not have found him yet. Look for the house with the yellow brickwork. Ugliest thing in the village. You can't miss it. Got it. It is good to see you again. You too, old friend. Ah ouais, c'est... Elle sait beaucoup de choses quand même, madame petite canaille. Traduction de old friend, petite canaille. Excellent quoi. Très bien. Fouiller le reste du bâtiment. On peut encore ouvrir la carte d'ailleurs. On a commencé ici et on est là. Très bien. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je vais peut-être sortir voilà une petite pistolet mitrailleuse parce que. Sait-on jamais. Sie haben bestimmt irgendwo was versteckt. Ah bah, wir haben uns ja nicht mit Mistgabeln angegriffen. Ok. Ah, j'ai un silencieux sur le pistolet. Magnifique. Magnifique. Concentration alt gauche pour vous concentrer. Ah. Alors, du coup, ça m'a fait quitter le jeu. C'est pas mal, hein. C'est bon, je suis nouveau là. Ok. Bah, les Allemands, ils connaissent bien. c'était pour la blague donc je vais rien dire. Mais bon c'est pas grave, c'est parce qu'on est dans le thème aussi. Je suis désolé, voilà, j'ai failli faire une vanne très vaseuse. Crocheter la serrure. Vas-y. On va faire ça discrètement. Bien concentré, n'est-ce pas. Putain, je me sens con. Attends, petite balle dans la tête quand même. Voilà, ça c'était pour le petit plaisir. Et je peux le piéger. Ok. Je peux lui mettre une grenade et tout. Bon, là, je risque de péter si je fais ça. Inspecter l'équipement. Je peux me mettre bien, etc. Personnaliser, donc avoir un bon viseur, etc. Genre, j'ai déjà débloqué ça. Impressionnant. Bon, je vais rester sur le viseur de base. Je pense que je vais pas toucher grand-chose pour le moment. Le pistolet silencieux, c'est juste parfait. Ça carie bien. Donc, je vais pas trop faire de conneries. Voilà. Vas-y, je vais le piéger. Ok. D'accord, ok, ça va pas péter tant que personne le touche. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Allez. En avant Guingamp, position dominante. La position du sniper comme on dit, hein. Ouh. Ah oui, messieurs, dames, on va être plutôt pas mal par là. Achtung! Alle Geschütze auf Zielraster H9. Reichweite 380. Ça, ça fait mal. That radar tower is still operational. Mais on va se venger. Enfin, on va les venger plutôt. Ouais, ça c'est vraiment pas cool ce qui vient de se passer. Bon, j'ai un gars ici. Looks like the air raid didn't take it out. I'll have to do this the old-fashioned way. Ok. Halt! Jawohl! Ok.
Je rappelle, hein, j'aime bien les Allemands, les gars. Je suis voisin, voilà, hein, sachez-le. J'habite en Alsace, mais je préfère le préciser pour ceux qui n'auraient pas eu la vanne de tout à l'heure. Là, on est dans un contexte historique de guerre, évidemment, qui n'est plus d'actualité. Voilà, je préfère le préciser un petit peu trop tard maintenant. C'est vrai. Est-ce que je m'amuse au sniper ou pas? En vrai de vrai, objectif. Voilà, alors attendez, parce que moi je suis là. Il faudrait que je détruise les piliers là, que je trouve la source d'alimentation du radar, que je tue Stephen Beckendorf. Je trouve, pardonnez-moi, les avions de reconnaissance ont repéré un point d'observation à cet endroit. Ok, faut que j'aille d'abord là. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Mais j'ai un silencieux ou pas sur le sniper? J'arrive pas à comprendre. Non, j'ai pas de silencieux. J'aurais peut-être dû en prendre un. Bon, allez, je descends. C'est un jeu sniper, mais... Oh, putain, attendez. Je viens de capter un truc, là. Ah, non. Non, je croyais qu'il y avait un gars, là-haut. Ok. Allez, on va y aller tranquillou. On va faire ça à la bien. Alors attends, déjà tu vas te calmer. On va y aller en rampant. Quand j'étais petit garçon, j'apprenais mes leçons en rampant. Quoi? Et abuse pas, hein. Alors comment on se concentre comme ça? Ok. Attends, bouge pas. Je panique. Ok. Ok. J'ai eu chaud au kiki. Hop, on fouille. On récupère tout ce qu'on peut qui peut être intéressant. Monsieur, vous vouliez vous cacher? Dommage. On vous voit à 10 000 km. Très bien, bah écoutez, on va suivre l'objectif. Mais attendez. Attendez. Mais je suis là, moi, là. Mais moi, je vais aller là, moi. Ah ouais, je suis pas au bon endroit. Moi, je vais aller là-bas, moi. Ok. Tac, tac, tac. Mais non, mais attendez. Mais je suis perdu. Mais non, mais je dois vraiment aller là? Les avions de reconnaissance ont repéré un point d'observation à cet endroit. Ah oui, mais c'est ça. Oui, oui, mais faut que j'y aille. Ok. Bon, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut comme on veut. 180 battements par minute, ça fait beaucoup, là, non? Ok. Eh, c'est vraiment pas mal. Je m'en veux terriblement pour le début d'aventure catastrophique. Si vous le saviez, hein, vraiment mes balles de snipe qui voulaient pas passer, c'était quand même assez hilarant. Mais il fallait le savoir. Ok. Appuyez sur tab pour consulter les renseignements que vous avez recueillis. Ça, j'avais bien compris. Découvrez la planque de la résistance. Ah oui, mais là il y a un point d'observation. Là, on doit avoir une belle vue. Ah ouais. Oh putain. Halt. Bon. 1, 2. Ouais, pourquoi il me le... Voilà. Bon, moi j'ai envie de me la jouer sniper. Eh, ça s'appelle Sniper Elite, hein. Ça, j'arrête pas de déconner non plus, hein. Mais bon, si déjà... Alors lui, il a un casque, donc j'ai peur que ça passe pas, donc je vais quand même le... Hop. Voilà. La racaille, ça dégage. On lui fait une petite tapote dans les fesses. Et un doigt dans le cul. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Je ne sais pas. Alors, bonjour. Ah. Ramasser la sacoche. Parfait, ça. Alors, viens voir, j'ai un cadeau pour toi. Oh non. Voilà. J'aurais pu mettre un peu moins de balles quand même. Hein. Mince, j'ai ramassé un fusil que je voulais pas. C'est pas grave. Bah non, je vais garder ça, moi. J'ai un problème. Il y a un mec sur moi. Non? Attendez, j'avais vu un... Pourquoi il y a un point d'exclamation là-bas?
Il y a des renseignements cachés. Ah ok. Non, j'ai cru que je m'étais fait cramer. Bon, je vais monter là. Alors, ok. Oh, il y avait un caca. Oh, j'ai pas vu le nom de l'arme, mais ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Ok, on va redescendre. Bon, du coup, j'ai pas compris les armes que j'ai là. Pour le coup, ça, c'est mon arme. C'est mon arme traditionnelle, ça, non? Ok, ok. Ok. Non, c'est pas mon arme, ça. Attendez, c'est celle-là, mon arme. Ah non. Merde. Redonne-moi ça. Voilà, je reprends. Voilà, ça, c'est mon sniper. Saboter. Vas-y. Ah, c'était pour faire du bruit, pour faire diversion. Oh, tyrolienne. Oh, c'est de la merde. Au secours. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. C'était pas prévu comme ça. Ah, attends. Bon, il a l'air tout seul. Ok. Bon, par contre, il y en a un autre qui se rapplique. Voilà. Bon, ils ont pas l'air très fut-fut, hein. Heureusement, parce que je le suis pas non plus. Bon. Eh, c'est pas facile, hein. Oh non. Il y a toute la meute qui va se rappliquer ou... Ouais, va falloir que je reprenne mon pistolet silencieux parce que sinon... Ils vont venir un par un. Et ouais. Ça c'était sûr. Voilà. Et là normalement je vais être un peu plus discret. Je devrais être tranquille. Bon. Parlons peu, parlons bien. De toute façon je suis cramé. On a quelque chose par ici. Les petites tranchées. Ah, je peux pas passer comme je veux malheureusement. Ok. Alors là. Ok. Trouver le moyen de saboter ou détruire la batterie de canon. Mais comment je fais pour rentrer? Pourquoi ça tire là? Pourquoi vous tirez les enfants? Oh. Charge explosive, let's go. On va pouvoir la placer ici. Parfait. Allumer mèche lente. On va mettre la mèche lente. J'aurais peut-être dû attendre. Ça, ça me laisse le temps encore de fouiller rapidement avant que ça pète, c'est bon. Oh. C'est quoi ça? Invasion, ok. Hop, on se casse. Ça me laissera le temps de mettre à couvert. Oh, ça va péter et il y a un mec juste ici. Alors regardez bien parce que ça va être magnifique. Oh, bien fait l'animation là. Attention, ça va péter. Ah, il a rien capté lui à mon avis. Oh. Celle-là, elle a pénétré, hein. Celle-là, elle a pénétré. Détruisez les défenses, 1 sur 3. Donc ça fait une défense sur 3 pétée. Je pense que je dois en péter une là-bas. Enfin, de chaque coin de la map, à mon avis. Je pense que sur cette île, on va tout faire saboter. Au secours. Qui m'a vu? Enfin, qui a cru me voir? C'est surtout ça, la vraie question. Ok. Très jolie lunette. Tu me vois ou pas là? Ok. Bon, moi j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. Si je joue à ce jeu, c'est uniquement pour m'amuser. Voilà. Bon, du coup, je suis absolument cramé. On bat les couilles. Oh, j'ai confondu ça avec la tête d'un Allemand. Par contre, là, je suis pas en position de ce fort. Je peux pas monter par là. Je me suis fait avoir. Dommage. Alors, attends, parce que là, du coup, ils vont tous venir un par un.
Alors j'aurais pu faire une collate. Dommage. Elle aurait été belle. Vous êtes où les copains? Oh! Oh! Hop là! Ça dégage la racaille. Hop! Ok. Tuer 10 cibles d'un tir à la tête. Eh ouais. Mais je suis un sniper d'élite moi. C'est le nom du jeu. Hop! Voilà. Ensuite. À qui le tour? Ah, il me faudra un silencieux sur le sniper quand même. Hop. Ah, je pourrais piéger les cadavres en vrai. Guess I grabbed everything useful. Ok. Ah, c'est vraiment intéressant comme jeu. Another bunker defending the beach. Très 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 intéressant. Je suis agréablement surpris. Et très content d'avoir découvert le jeu. Alors toi bouge pas. Voilà. Oh, je voulais faire ça bien. Est-ce que je peux... Non je peux pas, il y a des barbelés. Pêche fraîche. Ok, je peux passer par là. On a une tourelle ici. Sniper rifle looks good. C'est trop bien fait. Alors, je suis un peu passionné quand même de la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve ça tellement bien fait. Voilà le truc radio là qui vient d'être dit. C'est génial. Par contre, je suis censé faire comment là? Placer une charge explosive, ouais. Et puis... J'ai pas de charge explosive. Je peux pas te... Je peux pas te chier une charge explosive, c'est quoi ça là-bas? Je sais pas. Ah là, charge explosive. Ah c'est sympa, ils ont mis ça à côté exprès. Ah c'est chouette. C'est très chouette. Hop, bah du coup c'est parti. On va la faire péter en mèche rapide. Ah oui. À peine le temps de se barrer. Comme ça je vais me mettre juste sur les hauteurs. Le temps que ça pète. Voilà. Hop. Another bunker dealt with. Our boys in the channel can thank me later. Alors, qu'avons-nous là? Très joli par ici. Très joli. On est en France quoi. Malheureusement, ça a été ruiné par les nazis. Alors on va juste aller voir le point d'interrogation qui est en bas. Alors par contre ça c'est frustrant de ne pas pouvoir passer là où on veut. Ça n'en est pas moins réaliste, mais enfin c'est très chiant. Oh. Je te vois. Hop. Du coup. C'est ici, brasserie. Oh, c'est incroyable. Ok, ok. Comment on fait là? Faut rentrer dedans, j'imagine? Je comprends pas. Je suis sur le point d'interrogation, je vois pas quoi faire. Bon, tant pis, malheureusement. Malheureusement. Bon, toi, tu commences à me casser la tête. Ah, tu n'es pas tout seul. Hop. Les cinématiques sont vraiment chouettes. Hein. Ça casse pas trop le. La dynamique. Stephen Beckendorf, le butcher de la local resistance. Oh, c'est le mec que je dois tuer. Oh, c'est la cible que je dois tuer. Oh, quoi? Oh non. Change d'arme. Oh non, 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 non. Mais il voulait pas changer d'arme. Il voulait pas changer d'arme. Bon, c'est pas un jeu de rusher, hein, évidemment. J'aime bien Usher, mais c'est pas un jeu de rusher. Donc, évidemment, c'est pas sur ce genre de jeu que je vais vous faire un let's play de plusieurs épisodes. Cependant, très sympa, très agréable découverte pour chiller. En vrai, c'est plutôt cool. Et comment ça? Ah non, mais là, on recommence pas quand même.
D'accord, quand on meurt on recommence tout. Bon, j'ai dû faire une erreur, mais vous vous doutez bien qu'on va s'en arrêter là, c'est juste pas possible. Mais très sympa cette petite découverte, en tout cas si ça vous intéresse, Sniper Elite 5, je sais même pas combien il coûte, pour être honnête avec vous, je l'ai juste vu sur le Xbox Game Pass, donc c'est pour vous dire. Bref, ça fait plaisir. Bon bah les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite découverte, moi j'ai bien aimé, pas déçu quand même. Très beau et très sympa, et je pense que historiquement parlant, il doit y avoir des belles références assez réalistes. Et pas trop de conneries dites, je pense, visiblement. Donc c'est vraiment, vraiment chouette pour les amateurs de Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui aiment l'histoire. Même si je pense que en vrai de vrai, vous connaissez déjà avant moi cette pépite. Évidemment, moi je découvre après l'heure. Voilà. Bref, les amis, à tantôt. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.